Ouais, alors bonjour, bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'aller cueillir des fleurs dans la forêt en fait. Mais des fleurs que je connais pas du tout. Hein. Moi je connais pas du tout le nom des fleurs. Et en fait voilà, pour me faire une petite jardinière de fleurs en fait. Vous allez voir ça après. Donc j'ai décidé d'aller chercher dans la forêt. Alors, j'ai essayé de le prendre. Celle-là par exemple, alors bien sûr il faut les choper avec la racine, c'est clair, sinon ça sert à rien. Alors en tenant en même temps l'appareil, c'est pas évident, donc je vais la couper, enfin je vais la déterrer et je vous reprends tout de suite. Ouais, donc voilà, là je viens de la déterrer. Après, est-ce que ce que je fais est très malin? Eh bien écoutez, en fait, je n'en sais rien du tout. Là, je suis en train de prendre des fleurs qui au bord d'un chemin, si vous voulez. C'est vraiment, il y en a partout, quoi, si vous voulez. Mais est-ce que c'est très malin de faire ça? Je ne sais pas. Parce que est-ce que si tout le monde faisait ça, est-ce qu'au final, ce ne serait pas une catastrophe? C'est possible. Je ne me rends pas très très bien compte. Mais en même temps, je me dis, voilà, aller acheter des graines dans une pépinière, est-ce que c'est très malin aussi, quoi? Parce que bon, c'est dans des usines à graines qui font ça, il y a l'emballage de la graine, si vous voulez, puis il y a le transport en camion. Donc au final, qu'est-ce qui est le mieux pour la nature? Sachant qu'en plus, cette plante, je vais la replanter, quoi, je ne vais pas la détruire. Donc j'espère qu'elle va vivre, quoi. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que je me rends pas compte si c'est malin ou pas ce que je suis en train de faire. Écoutez, si vous le savez, si vous me dites après dans les commentaires, non, non, faut surtout pas faire ça, c'est une catastrophe, faut pas faire ça. Bah, déjà je le saurai, puis peut-être même que j'enlèverai ma vidéo, quoi, parce que je me dirais, voilà, faut pas le montrer le mauvais exemple. Mais je sais pas. Qu'est-ce qui vaut mieux? Je sais pas trop quoi dire. En tout cas, je vais essayer, voilà. Donc je vais prendre des fleurs au hasard, hein. Moi je connais pas du tout le nom des fleurs, celles que je trouve jolies. Je vais en déterrer quelques-unes et puis je vais les replanter chez moi. Voilà, voilà. Ouais, bon voilà, là c'est ce que j'ai cueilli donc. Mais en y repensant bien, je crois que c'est un des trucs les plus cons que j'ai fait dans ma vie en fait. Parce que ben en fait ça me paraît évident que si jamais tout le monde fait ça, mais on va défragmenter la forêt et on va défragmenter les parcs, quoi. C'est évident, quoi. Si chacun prend comme ça, c'est. En fait c'était stupide. Voilà, mais bon, maintenant je vais jusqu'au bout, quoi. Je veux dire, je les ai déterrés et tout, donc maintenant je vais les replanter, hein. Voilà, vous allez dire, j'aurais pu les remettre dans la nature, c'est vrai. Mais bon, je vais faire ma connerie jusqu'au bout, mais au final, oui, en fait, ça me paraît évident que non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut pas faire ça, en fait. Je pense qu'il vaut bien mieux aller acheter des graines, voilà, dans une pépinière, des graines bio, voilà. Et plutôt que de faire ce que j'ai fait, parce que je pense que ce que je viens de faire, c'est une véritable catastrophe. C'est une belle connerie. Voilà. Voilà, voilà. Bon, voilà, je les ai plantés, je les ai arrosés. Mais comme je vous disais, là, vraiment pas du tout sûr de moi sur ce coup-là. Hein. Vraiment pas. Ouais, je tenais à dire quand même que j'ai quand même cueilli des fleurs, que des fleurs hyper communes, quoi. Hein. Là, j'ai bien fait exprès, hein. Vous voyez, quand il y avait des véritables champs, il y avait des véritables champs de ça, de ça, de ça, c'était pas des fleurs rares, quoi, voilà. Là, j'ai fait gaffe, si je voyais une fleur rare qui était toute seule et qui était, voilà, à part, quoi, celle-là, je la cueillais pas. Hein. J'ai cueilli que des trucs qui étaient hyper communs et qu'il y en avait des kilotonnes. Mais encore une fois, non, pas sûr de moi sur ce coup-là, pas du tout sûr de... d'avoir fait quelque chose de vraiment intelligent. Mais bon, écoutez, on verra. Vous me direz. Allez, ciao, bye.